Depuis 2 ans, la ville a développé une politique sur le handicap et a voulu favoriser l'accès aux personnes en fauteuil à la patinoire municipale de New York. Nous disposons de 2 luges où nous pouvons déplacer la personne handicapée sur la glace. Les luges sont équipées de petites lames dessous et ça donne vraiment une sensation de glisse. Et nous avons également 3 paires de patinettes qui permettent de se fixer sous les roues avant du fauteuil. La ville de Niort a candidaté sur le concours régional sport et handicap et nous avons eu le plaisir de recevoir le prix Andy Glisse pour notre action à la patinoire menée depuis 2 ans et qui nous récompense sur le travail accompli. La ville de Niort s'investit énormément pour l'intégration des personnes à mobilité réduite. Actuellement, au stade René Gaillard, nous souhaitons intégrer aussi une rampe d'accessibilité pour que les personnes en situation de handicap puissent voir les matchs des Chamois. Je pense qu'aussi on a beaucoup à apprendre des personnes qui pratiquent une activité sportive parce que par sa capacité à aller au-delà de son handicap, par sa force, sa grande détermination, et je pense qu'on peut vraiment beaucoup apprendre d'eux.